mes actions, elles doivent être rentables. Il n'est pas question que je fasse des actions qui ne soient pas rentables. C'est ce que je vous avais dit, je crois, à une formation. Je vous avais parlé de Steven à un moment donné, en me disant que, enfin, en vous rappelant que Steven m'avait dit, ouais, pourquoi on ne ferait pas 1 million? Je lui avais dit, mais t'es fou, quoi, 1 million, c'est compliqué, quoi. Et en fait, en se projetant, en se demandant comment faire 1 million, ben finalement, il y a plein d'actions qui se mettent en place qu'on n'aurait jamais trouvées si jamais on ne s'était pas posé la question. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire 1 million, mais les 500 000 qui me paraissaient très compliqués à atteindre pour un formateur, au final, sont peut-être possibles. Tout simplement parce qu'on s'est projeté, on s'est dit ben, comment on fait? Quelles actions il faudrait faire pour arriver à faire ce chiffre d'affaires? Ça change vraiment notre façon de penser. Et vous allez voir qu'il y a, plein de mécaniques qui se mettent en place qui sont complètement différentes de ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous tolérez l'action inefficace. Vous la tolérez. Pourquoi? Parce qu'elle est tolérable dans les chiffres d'affaires que vous faites. Elle est possible. Il y a de la place pour ces actions-là. À partir du moment où il n'y a plus de place pour les actions qui ne sont pas efficaces, ben vous faites différemment.